Merci de nous rejoindre dans ce 19-20. Je vous propose de découvrir quatre jeunes sportifs arméniens. Ils vont partir dans quelques heures pour l'Italie, où débuteront demain les championnats d'Europe d'athlétisme junior. Pendant 10 jours, ils sont venus s'entraîner au complexe sportif de Lumini. Noémie Dahan et Michel Partage. Ils sont quatre jeunes espoirs du sport arménien. Saténik pour le saut en longueur, Albert pour le lancer de poids, Suren lance le disque et Diana la sprinteuse. Tous vivent en Arménie, mais depuis 10 jours, ils foulent la piste marseillaise du stade de Lumini. Demain, ils seront sur les starting blocks, prêts à disputer les championnats d'Europe junior de Rieti en Italie. C'est une chance pour nous de s'entraîner ici. C'est une compétition majeure à laquelle nous allons participer. Je vais profiter de prendre tout ce qu'il y a de meilleur ici à Marseille pour le ramener ensuite en Arménie. Si ces futurs champions sont ici, c'est grâce à l'association Courir pour la mémoire. Depuis 2 ans, elle permet à de jeunes athlètes arméniens d'utiliser les infrastructures de la cité phocéenne, un choix qui ne doit rien au hasard. Deux raisons. La première, ce sont les infrastructures qui sont un petit peu négatives en Arménie. Et ensuite, une raison climatique, puisque la qualité de l'air et la température ne sont pas les mêmes à Yerevan, dans la capitale arménienne, qu'à Rieti, là où ils vont faire leur championnat d'Europe. L'issue là. 1, 2. Avec peut-être des espoirs de médailles. Il y a un potentiel énorme. Il faut dire entre parenthèses que c'est deux beaux bébés, hein, comme on dit en France. Ici, c'est pas courant qu'on ait des lanceurs comme ça. Ces quatre jeunes talents courent vers le succès. Ils s'envoleront ce soir pour l'Italie, prêts à relever le défi de ces championnats d'Europe d'athlétisme junior.